Et on se retrouve sur une présentation du collector Blu-ray du film Seven. Je suis très content d'enfin avoir le Blu-ray de ce film qui fait partie de mon top 3 de mes films préférés de tous les temps. Alors la boîte est assez simple, pas forcément très jolie. Il s'agit d'une boîte en forme de boîte, comme la scène mythique de fin du film. Mais je n'en dis pas plus si vous ne l'avez pas vu. Dessus, on a écrit les sept péchés capitaux en français: gourmandise, avarice, paresse, envie, colère, orgueil, luxure. À destination du détective Miles. Et au dos, rien de spécial. Alors, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est l'intérieur de ce coffret. Plus que sa présentation, c'est son contenu. Donc, je vais l'ouvrir avec vous et on va regarder ça ensemble. Donc à l'intérieur, on peut voir plusieurs éléments. Voilà, la boîte est vide. On a tout d'abord, évidemment, le Blu-ray en édition simple. Malheureusement, puisque j'aurais bien aimé avoir une édition Steelbook. Je sais qu'il y a une édition Steelbook de ce film, mais elle coûte très cher puisqu'elle est introuvable. Alors, je vais vous lire le synopsis. L'inspecteur Somerset est à une semaine de la retraite. Le voilà obligé de faire équipe avec son remplaçant, l'inspecteur David Miles. Leur collaboration commence par un crime monstrueux. Dans un sous-sol, un homme obèse, ligoté à sa chaise, gît le nez dans son assiette. Son estomac a éclaté. Ce meurtre n'est que le premier d'une série. Aucun mobile apparent, aucun témoin, aucun rapport entre les victimes, sauf une mise en scène qui s'inspire des sept péchés capitaux. Donc, le film culte de David Fincher, qui a fait aussi Zodiac, Panem Chrome, Fight Club, L'étrange histoire de Benjamin Button, Gone Girl, Alien 3, etc., etc. Les suppléments, on a des commentaires audio, notamment de David Fincher, Brad Pitt, Morgan Freeman. On a les dessins de production, galerie photo, carnet de John Doe. Scène coupée, fin alternative, analyse du générique de début, coulisses de la remasterisation du film, trois scènes en multi-angle et les bandes-annonces. Une édition Blu-ray de très bonne facture. On a ensuite un petit livret, Seven, que je vais feuilleter rapidement. Si jamais vous avez envie que je vous fasse une lecture plus approfondie, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Donc là, on a d'abord un petit article, entre guillemets, sur la ville du film, avec des scènes de la ville. Photos du film, les acteurs avec Brad Pitt, Morgan Freeman. Très intéressant.
les 7 péchés capitaux. Donc là, je vais pas tout vous montrer. Et les deux personnages principaux, donc les deux détectives, Otto avec une lumière, avec des couleurs qui représentent bien, je trouve, l'ambiance du film. Je peux pas tout vous montrer parce que les dernières pages, c'est sur la fin qui a choqué le monde. Et voilà, si je vous montre les images, ça va vous spoil. Ce sera un petit peu dommage. Et enfin, le clou du spectacle qui m'a fait acheter notamment cette édition. Il s'agit des Comic Books 7. Il y en a 7, un par péché. Et ils sont à l'intérieur de cette boîte. Donc on va l'ouvrir. Et on va regarder ensemble. Alors, par exemple, on a le 1, le 2, non, c'est pas dans l'ordre, si, le 2, là, j'ai le 4, le 5, 6, 7 et 3. Donc c'est assez gore. Je vais vous montrer quelques dessins, mais je vais pas vous, je vais pas vous spoil non plus. Je vais pas vous montrer des choses trop gore. Je veux pas non plus ne pas vous montrer de dessin. Alors attendez. Attendez. Attendez, attendez. Alors chaque comics a un style très différent, des dessinateurs différents. Et en gros, ça explique un petit peu les meurtres. On voit plus de détails, on voit les meurtres. C'est extrêmement violent. Vraiment très 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 violent. Et du coup, je peux pas trop vous en montrer. Mais c'est... Attendez, je vous montre là par exemple le style d'un autre comic book. Alors malheureusement, ceux-ci ne sont pas traduits en français. Ils sont tous en anglais. Il y a une trentaine de pages par comic book. Mais je trouve que ça apporte une vraie plus-value à ce collector de 7. Vraiment, ça, je trouve ça génial. Et dès ce soir, je vais re-regarder ce film. Et je vais lire les comic books. L'histoire. D'en découvrir plus. Alors, je ne sais pas si ces comic books ont été validés par Fincher ou non. Je ne sais pas trop. En tout cas, ils sont officiels, puisque dans l'édition collector, je sais qu'ils sont difficiles à trouver en individuel. Moi, j'ai eu la chance de trouver ce collector pour seulement 20 euros. 24 euros avec les frais de port d'occasion. Donc, il n'est pas neuf, comme vous l'avez vu. Il est un peu usé, mais c'est pas grave parce que je trouve ça trop trop bien. Je trouve ça trop trop bien, surtout que le Blu-ray seul de 7 veut encore à peu près 15 euros. Juste cette édition simple en boîte plastique amarrée. Donc franchement, je pense que ça valait le coup. Ça valait vraiment, vraiment le coup. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que je veux pas vous spoiler le film. Je veux pas vous montrer des choses trop gore non plus. Mais
J'espère quand même que vous aurez passé un agréable moment et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous, à bientôt.